Une cantine et du périscolaire qui avoisinent les 70 enfants chaque midi. Cela posait des problèmes de sécurité, selon le maire. Les voitures, ça s'arrêtait de partout. Et avant qu'il arrive un accident, on a voulu sécuriser toute cette voirie en mettant des parkings et pour que les enfants soient en sécurité. Les trottoirs et routes ont également été refaits rue du Presbytère, rue du Cimetière et rue des Romains. Un nouvel éclairage, OLED et d'autres aménagements ont été réalisés pour un total de 900 000 euros. Cette affluence, c'est la conséquence du regroupement scolaire. La commune accueillait déjà les enfants de Wolminster, Nussviller et Lutzviller. Depuis cette année, ceux de Schweien, Lengelsheim et une partie de Breidenbach s'y sont ajoutés. La fin des travaux, prévue le 15 novembre, est finalement attendue pour le 15 décembre.